Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. J'arrête quand je veux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi, n'est-ce pas? Premier samedi de mois de septembre. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Coronavirus, c'est très sérieux. C'est très sérieux, surtout si vous êtes âgé. Si vous êtes âgé, comme vous pouvez l'entendre 250 000 fois par semaine, dans tous les médias, la radio, télé, partout, ils précisent bien que 90% des gens qui risquent plus de 65 ans. Et pour tout ça, vous devez faire attention, exécuter tous les conseils et ne sortez pas trop. Ce soir, j'ai un invité, M. Jean-Philippe Biron, directeur, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, économiste, écrivain, que j'ai le plaisir de l'avoir encore avec moi ce soir, ici et maintenant. Il vient de m'envoyer une petite vidéo de 2 minutes. C'est ce sujet aussi entre dans nouvelle mondialisation, mes chers amis, c'est quelque chose de tout à fait différent avec tout ce que nous avons eu dans l'histoire. Le nouveau monde et nouvelle mondialisation vous a préparé énormément de surprises et il ne faut pas être bête, il ne faut pas être imbécile, il faut être intelligent et il faut réagir, il faut être présent pour vous, pour votre famille, pour votre société et également pour votre pays. Surtout la France, avec cette grandeur dans l'histoire d'humanité, et les Français qui pensent à la France et à l'humanisme, mes chers amis. Alors, il m'avait envoyé, Jean-Philippe Biron, cette vidéo de 3 minutes, et je vais le diffuser dès le départ, et après on va prendre M. Jean-Philippe Biron, et on va parler pendant quelques minutes ensemble, mes chers amis. David Abbassi est avec vous, restez avec nous, on a énormément de surprises ce soir pour vous, mes chers amis. Dans le Finistère. Car effectivement, nous sommes dans le Finistère, à Arzano, devant l'ancienne gendarmerie qui est juste derrière nous. Cette gendarmerie, elle a fermé le 1er août, il y a quelques semaines. Évidemment, l'État se désengage dans nos campagnes, abandonne les populations de plus en plus, ferme des gendarmeries. Mais cette gendarmerie ne va pas rester longtemps vide. En effet, nous venons d'apprendre que le préfet du Finistère a décidé d'installer ici, dans quelques jours, des dizaines d'immigrés clandestins. Oui, je dis bien, des dizaines d'immigrés clandestins. Ce ne seront même pas des demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des mineurs isolés accompagnés, vous savez, ces faux mineurs qui permettent aux clandestins de se faire régulariser. Non, ce sont des immigrés clandestins. Et ici, on va faire des travaux, bien évidemment, pour les accueillir. Parce que les gendarmes, eux, pouvaient se satisfaire de ces logements. Mais pour les immigrés clandestins, il faut refaire les peintures, il faut refaire l'ameublement, etc. Oui, ces immigrés clandestins, avec votre argent, avec notre argent, vont être logés ici, vont être nourris, vont être soignés, vont être distraits également. Des bus vont venir tous les matins vers 9h, 10h pour aller les emmener au bord de la mer, au Mont-Saint-Michel, à Disneyland. Bref, ils vont bénéficier d'avantages que n'ont plus les Bretons et les Français qui vivent sur ces territoires. L'État nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Effectivement, il nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour la police, il n'y a plus d'argent pour la gendarmerie. Il n'y a plus d'argent pour les EHPAD, il n'y a plus d'argent pour nos petits retraités, il n'y a plus d'argent pour aider nos agriculteurs. Par contre, de l'argent, il y en a beaucoup pour installer partout chez nous, dans nos villages, ici en Bretagne, dans le Finistère, pour installer des immigrés entrés clandestinement en France. Chers amis, nous sommes face à un véritable scandale qui doit provoquer la colère des Français. La colère parce que c'est une injustice
sociale de privilégier des étrangers entrés irrégulièrement en France à ses propres compatriotes. C'est l'État qui fait cela, dans un silence absolu, avec une dans un silence absolu de la classe politique, voire même avec une complicité de cette classe politique. Seul le Rassemblement national de Marine Le Pen combat cette folle politique d'imposer dans nos villages des immigrés. Alors on nous dit, ce seront uniquement des jeunes hommes. Tiens, des jeunes hommes. Mais on pensait qu'ils fuyaient la guerre. Nous, on a dans notre histoire malheureusement des souvenirs tristes. Quand on fuit la guerre, on emmène sa femme et ses enfants. Non, apparemment, les femmes et les enfants seraient restés dans la guerre. Il n'y a que des jeunes hommes. On se moque de nous. On se moque des Français avec leur argent. Ce scandale doit cesser, c'est pourquoi nous sommes ici à Arzano aujourd'hui pour dire non à Monsieur le Préfet, non à l'État, non à cette classe politique qui est complice de l'installation de ces immigrés clandestins au cœur de nos plus beaux villages de Bretagne et de France. Monsieur Jean-Philippe Biron, bonsoir. Comment Alors, on vient d'entendre le reportage que vous m'avez envoyé sur l'immigration. Et bien sûr, comme vous le savez, depuis toujours, on a parlé à ce sujet-là. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, le temps passe vite, on ne va pas répéter des choses, mais c'est vrai que derrière les guerres qui étaient... depuis 1980, on peut dire. Depuis 1980, 1979, après le chute de Shah d'Iran et la révolution islamique, un islam militaire a été déclenché dans le monde musulman, qu'il soit en Tchétchénie, en ex-Yougoslavie, après, à l'époque, il était seulement au Liban, mais après, de là-bas, c'était même la guerre Iran-Irak, et après, c'était la Syrie, l'Irak, et Yémen, actuellement, qu'il est en train de dérouler. Alors, après cette guerre, et toutes ces guerres-là, c'est une guerre, pour ça on dit cette guerre, toutes ces guerres-là, depuis 1979 à ce jour, selon David Abbasi, c'est une guerre pour une but précise. D'abord, c'est l'argent, et deuxièmement, changer le mode de population, surtout en Europe. Alors, monsieur, nous ne sommes pas extrémistes, soi-disant, nous ne sommes pas contre un peuple ou d'autres peuples, nous ne sommes pas contre les émigrés, par contre, moi-même, je suis un émigré, pour nous parler des Français, en France, nous avons beaucoup d'émigrés, ce n'est pas ça, ce que cette émigration après les guerres, c'est un coup monté, surtout nous pouvons constater que, par exemple, président d'un pays, de l'autre côté du mer, plusieurs fois, il a dit « Ah, si vous ne faites pas ça, je vais ouvrir les frontières, et il a ouvert les frontières plusieurs fois, et les gens qui sont rentrés, comme nous pouvons constater, c'est une tendance spéciale concernant leur religion. Par exemple, vous ne voyez pas énormément chrétiens parmi les réfugiés. La totalité, en majorité, c'est une population. Et avec Covid-19, avec tous ces bordels de mer qui existent actuellement dans le monde, on ne va pas aller faire la blablabla, la langue de bois. On parle franchement, on dit, ça, c'est une méthode de faire la guerre contre la civilisation européenne et contre les peuples européens. Et voilà. Alors, monsieur Biron, moi, j'aimerais savoir votre avis. Vous, quand vous envoyez ça pour moi, peut-être pour d'autres personnes, vous avez des idées, vous pensez différemment par rapport aux autres individus. Alors, je vous laisse le microphone, mon cher monsieur Biron, de nous éclairer et de nous donner plus de renseignements. Monsieur Jean-Philippe Biron, ancien directeur de Chambre et Sénat, écrivain, économiste, un ami de langue, date, je suis ravi, avec mes auditeurs bien sûr, de vous écouter, monsieur Biron. Bien, monsieur Abbasi, bonsoir, merci de votre invitation que je vais accepter avec plaisir. Pour ce que je trouve un peu gênant dans ce reportage qui démarre l'émission,
et qu'il émane uniquement du Front National, enfin de l'ex-Front National, du Rassemblement National aujourd'hui. Il y a quelque chose de choquant dans les faits eux-mêmes qui paraissent vérifiés. Il semblerait que des émigrés clandestins, c'est bien spécifié de cette manière-là, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pris aucune précaution pour rentrer dans un pays, qui donc y sont sans raison valable, mais sans justification quelconque, puissent être traités de façon particulière, mieux que ne peuvent l'être des locaux dans le besoin. Malheureusement, il y en a de plus en plus un peu partout en France. Ça paraît très choquant. Tout cela semble faire partie, effectivement, d'une politique générale, qui est une politique menée au niveau européen, mais qu'on voit également apparaître dans d'autres pays. Et l'un des signes qu'on peut en trouver, c'est qu'actuellement, des Noirs américains... Si je dis noir américain, c'est parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, démocrates principalement, appellent au secours la population mondiale pour soutenir leurs frères français, etc. Bon, il ne semble pas qu'en France, il n'y ait jamais eu de discrimination particulière. À part le fait d'un certain nombre de personnes extrémistes envers des populations qui soient musulmanes ou d'une couleur de peau différente de la couleur de peau locale qui a bien évolué au cours des siècles. Ça paraît choquant. Ça paraît choquant parce que, effectivement, on voit Madame Merkel, native de Hambourg, qui, dès 2010, n'hésite pas à dire l'intégration des musulmans, le modèle multinational allemand a totalement échoué. On peut dire également qu'elle incarne l'hégémonie allemande sur l'Europe, qu'elle souhaite promouvoir une répartition contraignante des migrants dans les différents pays de l'Union européenne. Toutefois, on constatera que 5 pays se sont opposés à cette prise de position, la France ne faisant pas partie de ces pays-là. Et la France étant prête à accepter actuellement, semble-t-il, qu'on envisage que l'Allemagne, enfin plutôt Madame Merkel dans son rôle européen en tant qu'Allemande, puisse venir imposer une réduction des retraites, c'est-à-dire qu'on s'en prend aux populations les plus fragiles, les plus âgées, pour financer différentes opérations. On se rend compte également que au moment où ces prises de position sont faites par Mme Merkel, elle négocie seule avec la Turquie pour autoriser les Turcs à circuler librement dans l'espace Schengen, sans poser la question à qui que ce soit. Serait-elle une pionnière de l'islam ? Serait-elle simplement un des rouages de l'open société chère à M. Soros, comme peuvent l'être certains juges européens? C'est une autre question que l'on peut se poser. Toutefois, ces questions, ne nous attendons pas à avoir des réponses, étant donné l'omerta qui semble peser depuis quelque temps sur la presse. Un peu de plus en plus, on se rend compte que il y a peu de temps, il y a eu une énorme manifestation à Berlin,
dont aucun écho n'est parvenu, ou peu d'échos sont parvenus dans la presse française. On peut voir que les Verts, actuellement les Verts allemands, envisagent de faire passer la majorité à 16 ans, majorité qui était encore il y a quelques années dans toute l'Europe pratiquement à 21 ans, qui est descendue à 18 ans, et maintenant de la faire passer à 16 ans, ce qui rapprochera également, et sans faire de liaison aucune, de l'âge du consentement tel que défini par nos juges récemment. Enfin, 16 ans, on a peu d'expérience de la vie et il est bientôt pour disposer du droit le plus puissant, bien qu'il soit totalement ou presque totalement inutilisé en Europe. On a peu d'expérience de la vie. Actuellement, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Des financements sont trouvés relativement facilement avec la banque européenne, pour ne pas dire avec le FMI, sous les auspices d'une ex-ministre française bien connue pour sa religion catholique. Actuellement, il semblerait que la politique soit faite beaucoup à partir de financements internationaux qui viennent million par million faire pousser à droite à gauche des mouvements de soutien à cette politique d'ouverture. On peut se demander si cette politique d'ouverture n'est pas par ailleurs simplement un soubresaut capitaliste d'un vilain capitaliste, je ne dirais pas ultra-libéral, mais avec des méthodes très tranchées, qui a été celui de faire monter les populations des provinces vers Paris, comme il l'a été par la suite pour faire monter les Espagnols, les Italiens, qui fuyaient d'un côté le fascisme, de l'autre côté le fascisme aussi, pas le même, Franco ou Mussolini. Puis ensuite, ça a été les Algériens au moment de la guerre d'Algérie, puis après, Paléarchie bien sûr que l'on a abandonné tristement à Oran et ailleurs. Tout cela pour avoir une population travailleuse, meilleur marché que la population française. Or, la population française a été, son coût a été augmenté par des distributions de financement à droite à gauche relativement incontrôlées, par des charges sociales qui, ma foi, sont faites pour payer la santé, mais on se rend compte que ces charges sociales payent beaucoup de choses et qu'au niveau santé et au niveau service public, il y a eu un fort recul en arrière, tout cela n'étant pas politique, mais étant de décisions politiques, qu'il s'agisse de gouvernements de droite, de gauche, il y a eu beaucoup de recul du service public, en particulier sous Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer. On a vu 10 000 policiers qui ont disparu du territoire. Puis, en remontant beaucoup plus loin, on s'aperçoit que beaucoup de dispensaires ont disparu de province. Puis, les hôpitaux ont été dégraissés, si on peut dire, pour aller vers des services publics qui ont été rachetés par des sociétés étrangères,
qui font bien leur travail d'ailleurs, mais qui se sont trouvées très satisfaites des remboursements de la Sécurité sociale. Remboursements qui ne semblaient plus suffire à des hôpitaux publics, hôpitaux dans lesquels une chambre hors frais, hors service, coûte environ 1000 euros la nuit, alors qu'une excellente chambre d'hôtel de bien meilleure qualité au niveau confort se trouve pour 100 euros. On va pas faire d'amalgame, on va pas tout mélanger. Il y a un problème, c'est faut-il que la société se laisse bouleverser par un groupe de financiers plus ou moins apatrides, mais souvent se connaissant bien, pour des buts qui sont mal définis. Si tous ces financiers se mettaient ensemble pour dire « on va reconstruire une société calme, tranquille, qui travaille bien, dans laquelle tout le monde vivra bien », ma foi, personne n'aurait rien à dire. Actuellement, malheureusement, dans des pays comme l'Inde ou le Bangladesh, on arrive à des endroits où la culture, je parle de la culture agricole, la culture agricole se fait avec des graines qui ne se reproduisent pas l'année d'après, qui ne peuvent être tonifiées, si on peut dire, que par certains engrais violents qui ont des effets sur la population, engrais de perte de vigueur des spermatozoïdes, si on peut dire, etc. Tout cela dans le but d'une réduction de la population mondiale. On ne va pas parler du Covid-19. Le Covid-19, il est difficile d'en dire grand-chose. On ne sait pas s'il peut se guérir facilement. Ce que prétendent certains, que ce soit les Australiens, que ce soit certains Américains, ce qu'a pu dire à un moment, et dit encore le professeur Raoult en France, s'agit-il d'une grippe ou s'agit-il vraiment du virus mortel qui a été fabriqué ou qui est né du mariage d'un pangolin avec une sole Difficile de savoir tout ça. Alors vous, monsieur Biron, exactement ici, puisque vous venez de parler de George Soros et professeur Raoult, vous-même, écrivain, économiste, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, vous, qu'en pensez-vous au sujet de Raoult, surtout, et surtout qu'actuellement, vous savez, on a commencé des procès contre lui. Et Jean-Philippe Biron, qu'en pense à ce sujet? Raoult actuellement semble être quelque part un peu la victime de son succès médiatique, qui s'est effondré récemment sous la plainte de centaines et de centaines de médecins, pas de centaines et de centaines de malades, c'est certain. Les malades qui sont passés par ces services, on n'a pas entendu beaucoup, qui s'en plaignent. Par contre, des médecins mécontents qu'ils n'aient pas suivi les processus recommandés, il semblerait y en avoir beaucoup plus. Or, qui est le professeur Raoult? Je ne vais pas parler de tous ses titres très valablement acquis sur la scène internationale. Je vais simplement parler du professeur Raoult, directeur d'un service très important à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Service très important qui a été financé par des fonds publics, qui lui a permis de faire des recherches importantes avec succès et qui lui a permis de sauver pas mal de gens. La cacophonie actuelle sur l'histoire des masques, les masques qu'on a achetés, qu'on a perdus, qu'on a retrouvés, qu'on a réachetés, qui ont été détournés par les Américains
au cul d'un avion, sur un aéroport, des masques qui devaient être obligatoires, des masques qui ne servaient à rien, des masques qui devaient être portés sur les bicyclettes, sur les motos, en conduisant, qui maintenant seront peut-être dans les prochains jours interdits de port en extérieur, etc., etc. Tout ça, c'est de la mauvaise comédie. Nous avons suffisamment de scientifiques en France qui pourraient dire la vérité. Il semble qu'il y ait une omerta sur la vérité actuellement. Tout ça, ça dure. On met en danger si le Covid-19 est bien aussi dangereux qu'on le dit. On met en danger la santé de beaucoup de personnes âgées, mais également de tous les jeunes qu'on envoie à l'école avec masque à l'école, sans masque pour faire du sport, avec masque en réunion, sans masque en réunion parce qu'on n'arrive pas à les tenir de cette façon-là. Qui paye pour les masques? Ces masques doivent-ils être payés par la sécurité sociale, par des financiers divers? Que sont ces masques et servent-ils à quelque chose? Faut-il faire des masques en tissu? Faut-il faire des masques en papier? Faut-il faire des masques avec filtre, comme il est actuellement proposé sur les marchés? Tout ça, c'est incohérent. Et avec le nombre de personnes qui travaillent sur ces problèmes et qui ne nous apportent aucune solution cohérente, on finit par ne plus rien y comprendre. Actuellement, il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils portent le masque ou parce qu'ils veulent le faire porter à d'autres. La police, dont on ne peut pas dire que la police française ou que la gendarmerie française ait jamais été brutale en dehors de la répression de certaines grèves, alors qu'un futur président de la République était ministre de l'Intérieur, à Brest par exemple. Bon, bah, tout ça c'était coordonné, mouvement politique, pour résorber une situation sociale peu prometteuse pour l'avenir. Actuellement, de la même façon, on voit fleurir partout des candidats pour des élections présidentielles qui sont toujours, qui sont pas avant 500 jours en France. En 500 jours, il est étonnant que les Français n'arrivent pas à se grouper pour faire des programmes, et pour faire des programmes cohérents, finançables, des programmes laïques, c'est-à-dire des programmes qui permettent à toutes les religions de fonctionner, mais certainement à aucune religion de prendre pas le pas sur la loi d'État. Or, la loi d'État est bouleversée en permanence, on n'en tient plus compte. Il est surprenant de voir la justice, qui est pourtant superbement organisée en France, bien qu'elle ait été fortement réduite avec la disparition de tribunaux de province, ce qui pose des problèmes pour les différents concernés dans des procès, qui doivent se déplacer à des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour pouvoir traiter leur cas, alors que précédemment ils se rendaient au tribunal local. N'aurait-il pas été plus facile de déplacer parfois les juges que de déplacer tous les avocats, les personnes concernées? Ne serait-il pas possible, par exemple, d'aller s'occuper des prisonniers qui sont en prison et d'avoir une salle réservée en prison pour parler, pour développer leur procès, plutôt que de les faire déplacer jusqu'en prison
de la même façon à des dizaines ou des centaines de kilomètres, en déplaçant beaucoup de monde, en déplaçant des forces de police, de façon à ce que certains s'échappent de temps en temps. Enfin, c'est pas le but recherché, je pense, je crois que ce n'est qu'accidentel. Tout ça, actuellement, il semble y avoir un problème de gestion, mais pas un problème de gestion particulièrement politique, simplement. On a l'impression que toute cette politique est faite pour défaire ce qui existe, mais sans rien promettre quant à l'avenir. Toutes les promesses qui ont été faites, il y en a peu qui ont été tenues récemment. On nous a promis le Karcher jadis, on nous a promis 36 choses il y a 3 ans. On ne peut pas dire qu'on constate actuellement de grands résultats. On peut constater la détérioration du budget français et on se plonge dans une crise financière avec une dette importante. Dette importante qui n'est pas grand-chose par rapport à la dette américaine, qui n'est pas grand-chose par rapport à d'autres dettes, mais qui est une dette importante, et au plan bancaire, une dette est une dette et demande à être remboursée. Bon, bien évidemment, mais comment les autres rembourseront-ils leurs dettes? Comment cela sera-t-il fait? L'argent, c'est ma foi une monnaie commune qui dans le temps était gérée en France, qui maintenant est gérée en Europe, mais gérée en Europe par des personnes qui ne sont pas toujours européennes. Alors, mon cher monsieur Jean-Philippe Buron, je veux préciser à mes chers amis que ce soir j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Philippe Buron, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, écrivain, économiste. Monsieur Buron, vous venez de parler de succès médiatique de Raoul et ce qu'il est en train de subir. Vous avez dit qu'il vient peut-être de succès médiatique. Vous savez, il y a énormément de gens qui ont des succès médiatiques et 50 fois plus que Raoul, mais ils n'ont pas de problème. Toujours, nous avons des personnalités qui sont présentes dans les médias français, même international, mais jamais ils n'ont pas des problèmes, c'est-à-dire succès médiatique. Je crois que, à mon avis, c'est mon avis, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ce n'est pas correct à utiliser, c'est une utilisation qu'on fait même, voilà, ses ennemis. Pourquoi? Puisque quand on dit succès médiatique, les têtes vont retourner vers un autre chemin. Moi, je pense peut-être qu'il est victime. C'est une victime. C'est ça que le peuple français, les gens qui pensent aux entrées de la France, grandeur de la France, et des personnalités françaises qui ne pensent qu'à la France au lieu de penser à la mondialisation moderne, tous doivent dire ça. Comme quoi, les gens comme Raoul, ils sont victimes de la mondialisation sauvage de notre époque, de nouveau monde, parce que cette mondialisation sauvage de notre monde ne respecte rien. À l'époque, il respectait peut-être certains éléments, mais non, il ne respecte rien, qui crée des guerres à droite et à gauche, tuer les gens et les enfants pour vendre leurs armements, ou envoyer, ce que nous pouvons constater, les gens qui viennent faire face à ça, pour montrer la grandeur de la France, parce que Raoul, il ne faut pas oublier, président des États-Unis, il a salué, et il a confirmé comme quoi, j'en sais pas quoi, voilà, tout le monde est au courant, on ne va pas répéter. Alors, victime ou mondial, ou succès médiatique, M. Jean-Philippe Buron, je vous écoute. Victime, on ne peut pas dire, victime, le professeur Raoul, a été mis en position, on lui a donné tous les moyens pour développer des solutions, pour trouver des solutions, et il ne s'est pas privé de le faire. Il a des systèmes qui marchent bien. Il est peut-être victime d'une chose, c'est du
faible coût de ces médications, si on peut dire médications, étant donné qu'on veut dire traitement, on veut dire c'est des médications qu'il a faites dans lesquelles on donnait rapidement aux personnes qui commençaient à avoir de la fièvre, etc. Comme dans une grippe normale, comme le fait bon médecin de famille, il vous conseille ce qu'il faut et vous passez 10-15 jours de désagréable, à la suite de quoi vous retournez au travail aussi en forme que vous en êtes parti. Le professeur Raoult a quelque part dit un peu la règle. Voilà comment il faudrait s'y prendre pour que ce soit un mauvais moment à passer. Or, il semblerait que ce Covid-19 ait eu un succès de presse, mais surtout un succès de moyen de terroriser la population, de voir comment on pouvait la régir, arrêter l'activité, redémarrer l'activité, arrêter l'activité, la redémarrer. Il suffit aujourd'hui de faire passer le Tour de France quelque part pour qu'on dise stop, les commerces se ferment, pour se rouvrir le lendemain. Est-ce que les commerces qui ont souffert du confinement pendant des mois avaient bien besoin, lors du passage du Tour de France, qu'on les ferme, soit parce qu'ils sont à proximité du passage, soit qu'ils sont sur la route? Bizarre, symptômes bizarres. Bon, il faut faire confiance à la justice de notre pays, il faut faire confiance au sérieux des politiques. Le professeur Raoult, victime, on ne peut pas dire que ce soit une victime actuellement, on peut dire qu'il est enquiquiné, on peut dire qu'il a des plaintes qui lui tombent sur le dos de la part de collègues qui aimeraient bien avoir quelques gloires sur leurs ailes, qui souhaitent se faire remarquer. Qui trouve préférable surtout d'être du côté du gagnant, le gagnant étant celui qui trouvera une solution qu'il pourra vendre à des tarifs ressemblant aux tarifs utilisés pour traiter le sida, par exemple, pendant des années, au lieu de se trouver aux tarifs de l'aspirine ou de la chloroquine, ou de l'hydroxychloroquine, ou de la nivaquine. Bon, tout produit tombé dans le commerce, commerce libre depuis les 60 ans, presque 60, 70 ans qu'ils existent, et qui sont utilisés, et qui sauvent des pays en Afrique, en Asie et ailleurs, pour tous les gens qui attrapent des maladies graves. Bon, il ne s'agit pas de dire que tous ces médicaments doivent être pris sans surveillance, sans se faire aider par un médecin, mais de là à dire que des médicaments qui ont sauvé des dizaines de milliers de personnes sont des poisons, ça paraît curieux quand même, quelle que soit la sincérité de la brave dame qui a prétendu ça à un moment pour dire que oui, pour dire que non après, et qui actuellement s'occupe scientifiquement de choses scientifiques. Ça devient presque un vilain mot, tellement on l'utilise pour diverses choses. Le professeur Raoult, ma foi, il est bien à Marseille, il est bien vu dans le monde. Par contre, comment seront-nous soignés avec le système australien qui ne coûte rien du tout? Serons-nous soignés avec son procédé à lui
qui coûte pas cher, à condition de l'utiliser en début de maladie, mais sûrement pas au moment où on en est, on est aux portes du trépas. Serons-nous soignés par le brevet Pasteur ou par le brevet Fortuna ou d'autres brevets américains actuellement en route? Il y a une grosse histoire dessous de là derrière, de contrôle de des populations, contrôle qui a été extraordinairement bien réalisé. On a un peu l'impression que, c'est pas forcément une mauvaise chose, qu'on souhaiterait se passer des armées et des guerres pour contrôler les populations, et qu'on préfère aujourd'hui le faire par des moyens plus techniques, plus radicaux. Le côté humain de la chose, il est difficile à discerner. Au niveau efficacité, on a prouvé certaines choses. La seule chose, faut-il laisser le monde à quelques illuminés gâtés par la fortune, ou devrait-on leur demander de réviser un peu leurs idées et de se diriger vers des solutions plus humaines à tous les points de vue. C'est très important, plus humain et humanisme. À votre avis, M. Jean-Philippe Buron, nous sommes ce soir avec M. Jean-Philippe Buron, l'ancien directeur de Chambre et Sénat. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous pensez, actuellement, les gens qui dirigent le monde, ils pensent plutôt à l'humanité, à l'humanisme ou à autre chose? Par exemple, à votre avis, vous venez de parler de George Soros et la fondation qu'il a créée il y a déjà 40 ans et tout ça. Alors, c'est vrai qu'il dépense chaque année plusieurs millions de dollars pour l'humanisme, pour le droit de l'homme, pour les réfugiés, et je ne sais pas quoi. Il fait ça, il dépense énormément, mais de l'autre côté aussi, il gagne grâce à vente de plusieurs choses que nous avons déjà parlé dans le monde. Alors, à votre avis, ce monsieur, c'est tous les organismes qui appartiennent à son clan, ils sont humains, ils sont religieux, au moins ils croient en Dieu et quand ils font leurs affaires, M. Jean-Philippe Buron. Là, j'ai l'impression qu'on on mélange beaucoup de choses. On ne mélange rien. On ne mélange rien. Vous-même, vous avez parlé de Soros, George Soros. Vous avez parlé de l'humanité, l'humanisme. Et la question est dedans, Monsieur Biron. Il y a beaucoup de gens qui ont une foi certaine, respectable, religieuse, qui gouvernent leur vie. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'en vont à droite à gauche parce que ce sont de bons endroits pour trouver de la clientèle. Quand on parle, vous avez évoqué le nom de M. George Soros, qui, ma foi, est un homme assez extraordinaire, qui s'est bien tiré de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a réussi des fortunes extraordinaires, dont les grands amis, de la même façon, ont réussi des fortunes extraordinaires. Ces fortunes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ont souvent été mises à l'abri des impôts, afin de ne pas les faire fuir. Bon, je pense que c'est une fausse conception de la chose. Il est certain qu'elle préfère aller dans un pays où elle ne paye pas d'impôts pour continuer à grossir que rester dans des pays où elle paye des impôts, je veux dire des impôts lourds, mais des impôts qui redresseraient les budgets de beaucoup de gouvernements, sans pour autant les réduire en quelque façon que ce soit.
pas. Alors, c'est ça, ici, M. Buron, la question. Est-ce que lui, il est croyant? Sa religion lui ordonne de faire certaines choses, il croit en Dieu, est-ce que son Dieu il lui ordonne de faire des actes à part des impôts que vous avez dit, surtout qu'il fait des actes soi-disant humanistes dans le monde, et c'est le seul philosophe dans le monde depuis l'éternel, des milliers d'années à ce jour, qu'il a réussi son pari, c'est-à-dire il a exécuté ses idées depuis 40 ans et actuellement il gouverne dans plus de 100 pays. Alors, est-ce que la croyance et le divinisme, et croit en Dieu, et humanisme, tout ça, lui, il croit à ça ou non? Ben, disons que je pense en fait que sans doute, il y croit, étant donné qu'il n'est pas sûr s'il est le Dieu ou le diable, lui-même. Il dit ça comme une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie qui doit représenter quelque part ce qu'il pense en profondeur. Tout ça, c'est une boutade. Une boutade. Dieu a toujours existé sur Terre. Dans les traditions les plus anciennes, dans les peuplades les plus reculées, dans les peuplades les plus évoluées. Il a donné naissance, les religions ont donné naissance à différentes maltraitances des populations, que ce soit des populations proches ou des populations éloignées. Tout ça par des dérives humaines qui n'ont pas grand chose à voir avec Dieu. Dieu, je pense que nous sommes comme les microbes sur le derrière de n'importe quel animal. Proportionnellement, et que cet animal, il est beaucoup plus grand que la Terre n'étant que une petite boule qui se trouve, un petit bouton qui se trouve sur une jambe ou ailleurs, quoi, et que cet ailleurs soit parti d'un autre individu qui sera parmi des milliards d'autres individus qui vivent dans un monde, enfin, c'est l'infini, on retourne au du zéro à l'infini, quoi. Elle est difficile, votre question. Alors, si c'est difficile, prenez bien note, Monsieur Buron, parce que c'est George Soros, lui-même, il va nous répondre. Mais puisqu'il nous répond en anglais, et vous êtes fort en anglais, mieux que moi, je salue votre femme, artiste, anglophone, voilà. C'est seulement 20 secondes. Monsieur Jean-Philippe Buron, qui lui-même, George Soros, il va nous répondre à trois questions. Je vous laisse écouter, et après vous allez nous traduire 20 secondes en français, voilà, pour rester ça, soi-disant, dans l'histoire, la réponse à nos questions par George Soros lui-même, s'il croit en Dieu, quelle religion, et c'est quoi son métier. On va l'écouter. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Are you religious? No. Do you believe in God? No. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences. Vous
écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humour du temps vous est présenté par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Voilà, monsieur Jean-Philippe Biron, je vous laisse le microphone pour nous traduire le 20 secondes des trois questions de George Soros. Après, continuez, s'il vous plaît. Oui, ben, il a répondu vite et bien, quoi. Est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu ? Non. Est-ce que vous êtes religieux ? Non. Est-ce que vous prenez en considération les conséquences sociales de vos décisions et de vos actions ? Non. Bon, il a répondu. Et surtout, son travail, c'est quoi ? C'est ça ? Il a bien précisé. C'est quoi son travail ? Il a dit que mon travail, c'est quoi ? Mais quoi ? Ben, je dois dire, le son n'était pas extraordinaire et j'ai pas tellement entendu. C'est une il se voit un petit peu comme un organisateur du monde, quoi. Hein. C'est ce que j'ai pu comprendre. Mais écoutez de nouveau le départ. Écoutez. Think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Are you religious? Vous voyez, c'est ça, monsieur Biron, vous avez entendu. Alors, ben, ce qu'il a dit, c'est qu'il était là pour faire de l'argent, quoi. Mais enfin, c'est un but certainement normal pour... Il est franc, hein, il dit la vérité. Hein. À compter leurs euros. Il n'y a pas de langue de bois. Quand on arrive à un certain niveau, n'avoir que des buts de faire de l'argent, sans regarder les conséquences sociales, disons que ça pourrait relever de la justice, qu'elle soit immanente ou qu'elle soit nationale. Oui, vous voyez, c'est lui-même qui dit ça. En plus, comme vous venez de dire, lui-même, il dit qu'il est le dieu, le diable en même temps. C'est lui-même qui le dit, c'est-à-dire avec tous ses actes, avec tout ce qu'il a fait. Alors, la question, c'est ça, monsieur Jean-Philippe Biron. La question très importante. Est-ce que les gens connaissent bien George Soros et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a fondé, que ça va continuer pendant des années, même si demain il n'est plus là, j'espère qu'il va rester encore 120 ans, hein, George Soros, mais il a fondé quelque chose, après Karl Popper, Société Ouverte, Open Society, actuellement il est présent dans plus de 100 pays, le ficelle de plusieurs responsables politiques dans le monde, c'est à la main de Open Society. Ici c'est ça la question, mon cher ami Jean-Philippe Biron, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, écrivain, économiste. Est-ce qu'à votre avis, vous-même, vous voyez, vous avez, j'ai beaucoup de respect pour vous, quand je dis ça, puisqu'on va résumer nos affaires. Vous-même, vous avez écouté ces propos de 20 minutes, de 20 secondes. Mais le parti plus important qu'il dit, mon métier c'est de make money, je m'en fous de conséquences qu'il va avoir, vous n'avez pas fait attention. Alors, est-ce que dans le monde, dans notre monde d'aujourd'hui, on ne parle pas de peuple, parce que le peuple, vous savez, moi j'ai quelque chose que j'ai appris depuis des siècles, famille Abbasite, hein, plus de 500 ans de pouvoir, mille et une nuits. Ah, nous, on savait, nous savons très très bien que dans le monde, il y a des bergers et des moutons. Il faut être franc, quand on parle correctement. Langue de bois n'existe pas ici et maintenant. Il y a des bergers et des moutons. Des bergers, c'est qui ? C'est les gens qui ont le ficelle de la société, qu'ils soient des politiciens, des médias, des économistes, des banquiers, des patrons de sociétés, tout ça, c'est des bergers. Après eux, ils ont énormément de personnes qui sont sous leurs ordres, sous leur influence. S'ils ont religion, le gars, si c'est un chef religieux, si c'est une philosophie, si c'est une école comme marxisme, léninisme, et je ne sais pas, trotskisme, etc., etc. Après, le chef, c'est le chef, et les chefs,
Après, vous avez des moutons. Ils vont sortir et crier ce que le chef il dit, comme avec Adolf Hitler, et comme avec beaucoup d'autres dictatures dans le monde. Il sort et il crie ce que le dictateur il dit. Alors moi, au lieu de dire des dictatures ou des chefs, ou même de temps en temps des chefs des partis politiques, hein, je dis des bergers et des moutons. Alors, nous avons des bergers et des moutons d'un côté. Alors, les moutons, ils vont suivre l'individu, leur chef, leur patron, leur chef de mosquée, d'église, de je ne sais pas où, etc. Mais ces gens qui sont les bergers, les chefs de chaque société dans plusieurs domaines, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils connaissent George Soros et ils savent ce qu'il a fait depuis 40 ans ce qu'il a fait, surtout qu'on ne parle presque jamais dans les médias masse populaire, dans les médias en première ligne d'information du pays, on ne parle pas de George Soros. Si vous voulez faire des enquêtes sur lui, il va aller chercher à droite, à gauche, vous-même, surtout grâce à l'Internet qui actuellement existe. Mais sinon, jamais vous ne voyez pas dans un télé que plusieurs millions de personnes sont en train de regarder un reportage sur George Soros, et sur Open Society. Et on ne sait jamais quels sont les présidents qui étaient fabriqués par lui. Je veux le dire, voilà, parce que tout le monde le sait maintenant. Par exemple, M. Barack Hussein Obama, c'est un investissement de Soros. C'est lui-même qui l'a fabriqué, face aux républicains. En même temps, peut-être, il a des influences parmi les républicains, etc. Alors, la question qui est très importante, M. Jean-Philippe Biron, c'est ça. Malheureusement, les bergers, les chefs, les gens qui doivent savoir, ne savent pas assez. Alors, le peuple, encore pire. À ce sujet-là, que pensez-vous, mon cher M. Jean-Philippe Biron? Je vous écoute. Ce que vous dites est vrai. Il n'y a qu'une chose. Il y a un certain nombre de personnes. On va pas dire qu'il n'y a que M. Soros qui soit comme ça, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont arrivées à des positions de contrôle qui leur donnent la possibilité de peser sur beaucoup de gens, sur des pays, sur des gouvernements, quand ils agitent leurs revenus mensuels en laissant fuir un peu leur bourse, il y a de quoi gaver beaucoup d'appétits politiques à droite à gauche et de faire des carrières de personnes qui partagent leur manque de scrupules. Que faire là-dedans sans tomber dans des systèmes extrémistes? Très difficile à dire. C'est probablement à eux qu'il faudrait poser la question. Je pense qu'ils auraient les solutions. Que certains ont pu exprimer relativement récemment, au cinéma par exemple, parce qu'au cinéma on dit des choses qui se rapprochent de choses qui se disent dans la vie privée ou dans la vie semi-publique. De temps en temps, il faut, quand on a mangé pendant trop longtemps, ben, il arrive que les tuyaux se bouchent. Et dans ce cas-là, ben, il faut prendre des laxatifs parfois violents. Que dire d'autre, je ne sais pas. C'est situation dangereuse. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle se met en place. Aujourd'hui, on est en train de constater. Alors tout ça s'est mélangé avec quelques armes importantes, l'arme de la peur. On a pu constater que à tous les niveaux, ça marchait assez bien. Certains ont prétendu que
ne tomber malade du Covid-19 que les dirigeants politiques qui n'allaient pas dans le bon sens. Bon, on peut se poser des questions sur leur bonne santé. Ça, c'est sûr, quand tout le reste de la population s'ennuie à se masquer, se démasquer, à se confiner, ne plus voir, ne plus téléphoner même. La peur est un moyen de contrôle. Les mouvements de population, c'est également des moyens de contrôle, mais il est certain qu'on pourrait faire beaucoup d'argent aussi en permettant aux pays d'Asie, aux pays d'Amérique du Sud, aux pays d'Afrique déshérités de mieux vivre chez eux, bien qu'il ne soit pas gênant quand ils viennent ici à condition de respecter les lois. Mais quand ils veulent faire passer certaines lois non écrites, car on ne peut pas les considérer comme écrites, elles ne sont pas dans les textes d'origine, elles ont été rajoutées par la suite, comme ont pu d'autres lois être écrites à certains moments par des conciles de droite ou de gauche. Il y a des moments où il faut... c'est difficile à dire. On peut pas en vouloir aux migrants. Les migrants, on leur paye le voyage, on leur dit vous allez là-bas, vous allez avoir la santé, l'éducation, le logement. C'est déjà pas mal. Vous serez mieux là-bas que chez vous. Chez vous, pour vous soigner, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a pour se soigner? Pas trop grand-chose. La plupart des gens qui tombent malades, ben, ils sont soignés, mais... tout le monde s'imagine ici qu'aux États-Unis, il y a la sécurité sociale qui fonctionne bien et qu'on va à l'hôpital, on est bien traité, que les médicaments sont gratuits, qu'on part avec 15 boîtes parce que ça arrange le pharmacien ou qui que ce soit, qu'on met en stock chez soi après. Non, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Obama n'a pas mis ça en place. Trump a réussi à faire revenir de l'emploi en relocalisant un certain nombre d'industries, en donnant une incitation forte, positive et négative aux entreprises. Bon, son message était parfaitement compréhensible. Certaines personnes n'ont pas apprécié, mais la plupart de ses électeurs ont quand même apprécié de retrouver un emploi, c'est-à-dire la possibilité de manger correctement et de ne pas habiter dans leur voiture, pour autant que leur voiture n'ait pas été saisie ayant été achetée à crédit, etc., etc. Il nous faut des gouvernements qui s'occupent des gens qui les élisent. Or, on est arrivé de la même façon à ce que les gens n'aillent plus voter, tout simplement, pour parler stricto sensu de la situation en France. En France, ben, y a un président qui se présente avec des drapeaux multiples et de l'autre côté un candidat ou une candidate qui depuis, 40 ans, pour ne pas dire 50, se présente avec des couleurs nationalistes extrémistes. On en arrive, pour certains, à penser que l'islam est quelque chose de terrible. L'islam politique, en France, on n'en veut pas, c'est sûr. De la même façon que la religion catholique, pour commencer, a été écartée du pouvoir dans les années 1900, mais on ne parlait pas de la même chose à l'époque. Actuellement, on en arrive
à des contrôles de la société par des règles qui sont nées il y a 1400 ans et qui n'ont pas évolué depuis. On continue à lapider, on continue à fouetter, on continue à... La peine de mort, prenons exemple sur l'Arabie Saoudite, par exemple. L'Arabie Saoudite, ils font des... ils font les choses à l'ancienne. Bon, faut-il se laisser aller là-dedans? Je ne le pense pas. Faut-il considérer qu'il y a des individus inférieurs parce qu'ils sont nés là ou là ou là, ou même dans la ville d'à côté, mais bah non, non. Il faut chaque homme doit avoir, chaque homme, chaque femme doit avoir devant lui quand il naît une page blanche à lui de la remplir de la façon la plus harmonieuse possible. C'est pas le cas actuellement. On essaye de créer du racisme. Le racisme, il y en a qui se laissent aller, qui malheureusement font partie ou soutiennent des mouvements extrémistes qui sont extrémistes justement parce qu'ils se laissent aller là-dessus. Ce qui est une façon pour eux également de survivre à travers les décennies en n'étant jamais élus, mais en survivant miraculeusement avec des centaines de milliers de supporters, qui sont quelque part un peu fanatisés et qui ne voient plus les choses comme elles sont. Il y a une contrepartie à ça, c'est que on parle beaucoup actuellement des assassinats aux États-Unis perpétrés par des policiers, parce que ce sont un peu des assassinats, l'histoire de George Floyd, l'histoire de Kenosha la semaine dernière. On ne parle pas en même temps de qui perpètre le plus d'assassinats, de délits aux États-Unis. On ne parle pas de la couleur, mais on parle des origines des gens. De leur filiation, des communautés dans lesquelles ils sont, ben, c'est pas forcément, ça peut être, mais c'est pas forcément des Blancs, pas forcément des Américains. C'est pas, quand je dis des Américains, difficile à dire, c'est... Enfin, pour dire les choses clairement, c'est... Il y a beaucoup de... Il y a la même chose en France, quoi. Il y a la même chose en France avec les histoires de Vichy. On a supprimé le classement par ethnie, ce qui a été une bonne chose parce que le classement par ethnie a quand même été à l'origine de pas mal de déportations misérables. Mais... tout ce qu'il faut, c'est, je pense, laïcité, laïcité, laïcité. Chacun peut avoir sa religion chez lui, mais qu'il foute la paix aux autres et qu'il se tienne correctement en respectant les lois de la République. Alors, parler de Soros, maître du monde, monsieur Soros est quelqu'un qui peut se faire renverser par une voiture comme n'importe qui, ou par une trottinette électrique à qui on aura permis de circuler sur les trottoirs, comme c'est le cas à Paris ou ailleurs, quoi. On leur a permis, je sais pas si c'est encore vrai, mais bon. C'est... Mais mon cher monsieur Buron, renversé par une voiture, c'est pas grave. Même, ça fait déjà quelque temps qu'il a laissé son fils à sa place, mais il est présent toujours. Il ne faut pas oublier, mon cher ami. George Soros, il a créé une école, une université. C'est vrai qu'il a créé plusieurs universités, mais son université mondiale, Open Society, qui là-dedans, il a environ 500
d'autres sociétés comme Amnesty International jusqu'à des sociétés liées avec BlackRock. Alors, il est, comme je viens de dire, il est le seul philosophe dans le monde qui a réussi à aboutir ses idées dans une organisation mondiale qui existe. Cette organisation mondiale actuellement n'est pas attachée à la personne George Soros. Et c'est son homme qui va exister, c'est son homme qui va régner dans le monde, et toutes les grandes fortunes du monde que vous voyez, qu'ils soient Elon Musk ou Bill Gates ou Zuckerberg ou Jeff Bezos et tout, c'est grâce à George Soros qu'ils ont pu réussir dans le monde, grâce au financement de George Soros. Et cette économie mondiale est unie, et cette économie mondiale, c'est une école d'open society, c'est-à-dire l'idée, c'est société ouverte, et cette société ouverte, déjà, est dans la plupart des pays dans le monde, mon cher ami. Par exemple, je vais vous dire, après Obama, que je vous ai cité, plusieurs autres présidents de la République dans le monde, que je ne veux pas tout dire, étaient venus sur la scène politique nationale, internationale, grâce à Open Society, comme Khatami en Iran, comme Morsi en Égypte, et comme Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Actuellement, même récemment, Soros lui-même, il a parlé, il a soutenu M. Recep Tayyip Erdogan. Après en Géorgie, c'était le mouvement de Soros qui a gagné, Karzai en Afghanistan, et après Ghani et tous les autres, et dans plusieurs autres pays. Il est en train de gouverner, George Soros et ses idées est déjà en place dans le monde, ce n'est pas une personne, mon cher ami, qui va disparaître avec un petit accident de voiture, M. Jean-Philippe Biron. Non, mais... C'est pas, je dis pas qu'il va disparaître brutalement, que ses idées vont disparaître brutalement. Il y a des périodes où il faut des rééquilibrages. Nous sommes dans une période où on a besoin d'un rééquilibrage. Faire de l'argent, c'est bien. Mais pourquoi cet argent, une seule personne, doit-elle conserver sa fortune en fuyant tous les paradis fiscaux qui sont créés à droite à gauche uniquement pour traiter ces choses, avec des accords à bon niveau dans des pays dits civilisés, on peut pas tout bouleverser, c'est certain. Il est certain que quand quelqu'un a la possibilité de dropper 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 100 millions d'euros pour arriver à un but en finançant des gens qui vivent bien mais qui pourraient vivre mieux, il est facile de corrompre. La corruption règne trop et descend trop vite. Quand elle est un peu contrôlée, les choses marchent pas plus mal. Est-ce qu'il est tellement intéressant de faire de l'argent pour de l'argent pour de l'argent? J'en suis pas persuadé. Mon cher ami, monsieur Jean-Philippe Biron, je vous remercie beaucoup. J'étais ravi de vous avoir ce soir aussi avec moi. Mais soyez sûr et certain qu'il y a actuellement les élèves de George Soros et les jeunes garçons qui ont devenu fortunés grâce au financement des conseils de fondation de George Soros, ils sont plus riches que lui. 2000 milliards de dollars, c'est aujourd'hui qui a été annoncé, c'est Bill Gates, Apple, enfin, parce qu'il a Apple, et plusieurs milliards Jeff Bezos, plusieurs milliards Zuckerberg, et plusieurs, et quoi, plusieurs milliards de dollars Tesla, c'est ce monsieur-là qui avait perdu Elon
Mosca la semaine dernière, il y a deux semaines, plusieurs milliards tout d'un coup il a gagné. C'est-à-dire l'équipe, la famille, le club, le clan et de maison de George Soros, ça ne limite pas à lui-même, c'est mondial. Ils ont tous fortuné. Je vous remercie, cher monsieur Jean-Philippe Biron. J'espère que j'aurai l'occasion d'être avec vous encore. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. À la prochaine. Bonne soirée. Voilà, ça c'était monsieur Jean-Philippe Biron, mes chers amis, avec nous. Et vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, radio ici et maintenant. N'oubliez pas. Vous avez la parole dès maintenant, c'est votre tour, vous pouvez commencer à nous appeler, on va vous prendre. Le sujet, ça sera votre sujet. Je n'impose aucun. FM, l'humour du temps vous est présenté par David Abassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.